Au Soudan, des manifestants contre le coup d'État d'octobre dernier ont été dispersés par des gaz lacrymogènes dans les rues de la capitale, Khartoum. Jeudi, la veille du troisième anniversaire du sit-in meurtrier de 2019, les slogans anti-putsch se sont mêlés aux demandes de réparation, alors que l'enquête sur le massacre qui a fait plus de 130 morts piétine toujours. Nous continuerons notre lutte et nous ne nous arrêterons pas. Nous avons des frères qui sont morts, nous avons des martyrs, des victimes et nous n'abandonnerons pas nos droits à Burhan. Nous continuerons notre révolution et si Dieu le veut, nous gagnerons. Nous demandons et appelons toutes les organisations de la société civile et des droits de l'homme à exiger les droits humains et civils des mineurs qui sont arrêtés et à exiger les droits des détenus qui sont exposés à la violence pendant qu'ils sont en prison. Et nous continuerons à descendre dans les rues jusqu'à la chute du régime. Trois ans après, ces manifestations antigouvernementales donnent une impression de déjà-vu. Le 3 juin 2019, les sit-ins pacifiques avaient été violemment dispersés par des soldats et des miliciens. À l'époque, les généraux Abdel Fattah al-Burhan, actuellement à la tête de la junte au pouvoir au Soudan, et Mohamed Hamdan Dagalo étaient aux commandes. Ils avaient nié avoir ordonné cette opération sanglante.